Bonjour à tous, c'est Zdater, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable, aujourd'hui on se retrouve avec Toumidza pour une partie sur Team Fortress. Bonjour à toi Toumidza. Salut. Bon alors, j'espère que tu vas bien, moi ça va pas trop mal aujourd'hui. Ah, moi ça va impeccable. Ok, donc on s'est trouvé un petit serveur, mais alors, une pièce rare je veux dire, avec des serveurs qu'il est possible d'enregistrer. Des mots à droite, des mots à droite. Des mots à droite. De l'autre côté, dans la maison derrière plutôt. Où ça? Ah ouais d'accord, d'accord. Il y a un spy aussi, il me semble, là-bas. Attends, on va se le faire. Après, on va aborder tranquillement. Allez, oh, putain de... Voilà, c'est bon, j'ai réussi à me le faire. C'est bon. Non, lui, il est pas mort. Ouh là, il y a eu un beau headshot, là, je sais pas qui c'est. Attends. Aide à droite, à droite. Non, c'est moi, il est mort. Ok, d'accord, attends. Calmons-nous. Alors, je crois qu'il y a une sentry dans le tas, là. Et voir si... Oh, bah, déjà... Ouais. Non, il s'est barré. Ok, attends. Oh, ouh là. C'est bon, il y a un... Spy avec nous là. Ça c'est bon. C'est perdu. Je suis dans la maison sur le point là. Ah merde. Voilà, ça c'est bon, impeccable. Donc, on va finir le round tranquillement, puis après on va parler un peu de ta chaîne quand même, ouais. Ça c'est pas mal. Attends, voir un peu ce qu'il dit. Dans deux secondes j'ai l'Uber là. Ouais, c'est bizarre, je te vois pas. Vas-y, envoie. Clac. Ouais, vas-y, on va sur le point, hein. J'avance. Y'a peut-être une sentry sur le point. Ouais, c'est un niveau 1. Ah, pourquoi je tape avec la bouteille, moi? Ben oui, c'est ce que je me demandais. Je suis mort. De toute façon, il y avait 4 personnes. Donc, la chaîne de Toumidza, puisque tout le monde est mort, on va en profiter. Alors, ta chaîne, c'est 800 abonnés qui ont été dépassés. Ouais, à peu près. Je sais pas exactement. Alors, il y a quelques jours, en tout cas. Ouais. Est-ce que ça a démarré aussi rapidement, ou est-ce que ça a démarré lentement, comme toute chaîne YouTubeur Non, ça a démarré super lentement, quoi, normalement, on va dire. D'accord. Ça a augmenté avec les zappings que j'ai commencé à faire récemment. Et ça a pris un gros coup de boost avec Don Pasqualino qui m'a fait de la pub sur sa chaîne. Oui. Globalement, je voulais fêter les 500 abonnés. Ouais, mais ça allait tellement vite que... Ouais. Don Pasqualino m'a fait de la pub, du coup j'ai fêté les 600 abonnés. Le temps de faire la vidéo, d'y penser, c'était... J'avais pris 100 abonnés comme ça, grâce à lui. D'accord, donc t'as même pas eu le temps d'organiser ça que du coup t'as dû fêter les 600, quoi. Attention, il y a une sentry bas. Merde, ah, j'ai passé la porte, on est coincé. Ouais, de toute façon, je pense qu'on est cuit là. Ouais, il y a un superbe. Oh dommage, non, c'est pas grave, j'ai pas réussi à le faire. Donc ça s'est enchaîné très rapidement, t'as pas eu le temps de voir venir le truc, quoi. Non, pas trop. Ok, d'accord. Donc sur ta chaîne, il y a des tutos, il y a des gameplays. Ouais. Il y a aussi plusieurs. Séries qui ont été créées. Il y a le Zap Fortress qui a fait merci connard, qui avait ta réputation. Et puis les, c'est pas toi que j'ai dit merci connard, hein, je te rassure. Oui, je t'avais lâché. Okay. Et aussi les Speak Fortress qui viennent à peine de commencer. Tu as fait un épisode d'ailleurs qui sur le spawn kill d'ailleurs. C'est ça. Ça va parler un peu du vocabulaire, mais généralement anglo-saxon qu'on utilise dans les jeux vidéo, dans le type Fortress en particulier. D'accord. Mais ça va être assez généraliste, quoi. D'accord, donc c'est des vidéos qui durent quoi, quelques minutes, c'est bien ça, je sais pas, 5, 6? Oui, à peu près. J'ai pas de timing exact, mais c'est à peu près ça. Ouais. Ok, d'accord. Vu que pour l'instant il n'y a qu'un seul épisode, on peut pas dire qu'il y a une constance. Oh la vache. Je suis en train de me faire mais humilier latéralement. Je sais pas où t'es. Je suis sur le point. Ah bon? Ah mince. T'es mort? Non? Pas encore, non, ça va pas tarder. Voilà, maintenant je suis mort. Tu meurs? Ah merde, je suis pas encore mort, merde. J'ai cru, pas une seconde. T'es mort? Ça va pas tarder. Ouais, mais voilà, maintenant je suis mort. Là je suis mort. J'ai l'humeur là, je peux te sauver. Bah maintenant tu claques là sur le vide, tiens, vas-y, parce que j'ai tout pété ici, y'a plus rien. Non, y a rien, y a plus personne. Ouais. Bien joué. Heureusement que j'ai fait au boulot. Hein. Voilà, ça c'est fait. Donc, pour les I Speak Fortress, est-ce que tu as d'autres vocabulaire, d'autres termes en vue ou pas? Ouais, normalement la prochaine, ça devrait être les insultes qu'on utilise dans Team Fortress. Mais c'est générique, c'est le noob, c'est... Le free-to-play, c'est des trucs comme ça, quoi. D'accord, les rages, quoi. Oui, c'est ça. Généralement, les gens ragent quand on utilise une arme qu'ils aiment pas. Que ce soit le Huntsman, parce qu'ils pensent que c'est du random. Quand on utilise
le phlogistinateur pour les critiques qui s'en prennent plein la tête, ou le backburner, voilà, c'est... D'accord, surtout qu'il faut pas, comment dire, se tromper au niveau de la signification des termes, parce que free-to-play, ça veut pas forcément dire qu'on est nul à chier, les noobs, ça veut dire... Généralement, si. Quand c'est utilisé, ça veut dire nul à chier. Effectivement, un free-to-play, c'est quelqu'un qui a pas acheté d'objets dans le marché, ou dans le Valve, mais... Ce que je veux dire, c'est que à force de l'utiliser, la définition, une fois qu'elle est dans le contexte, ça ne veut plus rien dire, ça veut dire carrément autre chose, c'est ça que je voulais dire. Mais... Oui, c'est ça exactement, c'est devenu péjoratif alors qu'au départ, pas du tout. Quoi. Exactement. C'est pour ça que je ne t'ai pas trouvé, je sais pas où t'es. Je suis Sniper Huntsman, donc t'inquiète pas pour moi. Pardon. Donc t'étais à côté de moi, j'avais pas fait gaffe, chercher un démo. Ok, bon bah voilà, ça, je me suis tapé un kill. Bon, je pense que je vais pas rester Sniper longtemps. Qu'est-ce que j'ai resté moi? Tiens, je vais prendre Pyro, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ces 2000 sentries foutent ici, sérieux? Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ouf. Ah, je suis sur toi alors. Ok, merci. Je cherchais. On s'avance. Il y a un autre pyro. Ouf, fais gaffe au-dessus de ta tête. Ouais, ils sont bien là. C'est moi, il est tombé avec toi là. Ok, merci. Il m'a pris mon kill lui. Il y a un démon qui nous shoot là-bas. Ouais, tu peux te le faire. Non, mais je pense qu'il y a moins de reflet. Non, mais tu peux te le faire avec le. Avec la fusée de détresse, quoi. Et j'ai pas eu l'Uber là, t'as. Merde, il a le bouclier, cet enfoiré. Tu l'as eu? T'es mort? J'arrive sur toi. Ah ouais. Il m'a eu, c'est bon. Merde. Et en plus, il me taunte, vas-y, merci. Ouais, mais. Bon, mais j'ai mon Uber là. Est-ce qu'on a vengé? Ils ont je sais pas combien de démos, hein. C'est spécial démo quoi, c'est parti. Alors les engines ils commencent à me faire un petit peu peur là, je sais pas s'ils connaissent pas le jeu. Je vais pas arriver à m'en sortir. Oh, je suis là. Derrière toi. Dans la petite maison si tu veux. La petite maison, ok. Attends, j'arrive. J'ai l'Uber. Ok, je suis là. C'est toi? Ouais, c'est moi. Vas-y. Ça. Ah mais fonce sur le dernier point alors directement. Tu me dis quand claquer si tu vois quelque chose de grave, mais... Vas-y, j'ai claqué. Ok, merde, bon bah tant pis. C'est pas grave. C'est une situation d'urgence. Non mais y'a rien là-bas. Hein. Du coup, il n'y avait rien là. Ah, il y a celle qui est à droite. Vas-y, je tank. Bien joué. Voilà, c'est bon. J'ai plus de vie par contre. Tu t'es abandonné quand je suis mort. Ah, c'est pas grave, tant pis, il n'y en a pas réussi. Ah, c'est pas mal, il y a des petits tombes qui apparaissent maintenant. Quand on meurt. Il y a des petits? Il y a des petites tombes à l'effigie de la classe qu'on incarnait. Non, c'est parce qu'il avait la. Il avait une combinaison d'armes, je sais pas laquelle. Et c'est pour ça que ça apparaissait, c'est ça? C'est ça. Qui c'est qui t'a tué? Un soldat? Un soldat, oui. Ouais, il devait avoir le truc du... Ah non, je sais pas laquelle. Il lui faut un chapeau, il doit falloir la boîte noire, et je sais pas quelle autre arme de corps à corps, et ça fait des petites tombes. D'accord. Ils ont viré les bonus de panoplie. Ouais. Du coup, ils ont mis les petites tombes à la place. Ok. Je crois qu'ils me visent, là. Non, ça va aller. Si. si, regarde. Oh. Je suis passé dans... Fais gaffe, il y a un spy sur toi. Ouais. J'ai perdu son couteau. J'ai reculé dans le truc, hein. Je t'ai lâché, là. Non, c'est bon, j'ai crevé de toute façon, donc c'est calé. T'es mort? Non, pas encore. Mais j'ai 4 de munitions. Trop tard, j'ai fait attendre le pack de soins. Tant pis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, sinon? Qu'est-ce que j'ai pas beaucoup joué, seul dire, tiens. J'ai l'humeur si tu veux, okay. Si je t'attends ou pas. Je suis au spawn, je me prépare 2 secondes, c'est bon. Je suis à gauche là moi. Bah moi je suis au spawn. J'arrive. T'as essayé de faire de nouveaux concepts d'émissions ou de séries pour ta chaîne? Ouais mais déjà Speak Fortress, j'aimerais bien faire des matchs de compétition commentés. Mais il faut le temps de regarder les replays, de trouver le bon match. Et en plus, comme le truc de visionnage de Valve est tout pourri, pour faire quelque chose de joli comme je le veux, il faudrait que j'enregistre plusieurs points de vue. Donc un match dure généralement une demi-heure, donc il faudrait que j'enregistre 4 ou 5 points de vue d'une demi-heure pour faire quelque chose de joli. Donc ça prend encore plus de temps, mais c'est un truc qui me tente pas mal ça. Ok. D'accord, donc après c'est vrai que ça va pas être évident de pouvoir réussir à caler un truc, et puis ça doit demander un travail énorme quoi.
Oui, mais ça me plaît, donc voilà, toutes les vidéos demandent un travail énorme, mais ça me plaît, et puis en plus, voilà, on choisit un point de vue, on lance l'enregistrement, pendant une demi-heure on peut faire ce qu'on veut, c'est pas non plus... Après il y a un travail de montage, mais le montage me plaît, donc... D'accord. Je vais prendre Demoman, là, vu qu'on a des médics à la toque. Tiens, bon bah moi je vais repasser Sniper, histoire de faire quelque chose un petit peu. En plus, j'ai un super killstreak là pour à exhiber un petit peu. Il sera super pour la vidéo. Qu'est-ce que tu penses des armes? Je sais pas si tu m'as donné. Exactement. Je sais pas si tu m'as donné ton avis pour les armes killstreak, mais. Je trouve ça pas mal. Ça me dérange pas trop. Je rage un peu de pas en avoir. Après, ça se passe en. Tu sais comment faire pour les avoir de toute façon. Ouais, faut les acheter. Non, j'ai fini un MVM, j'ai eu le truc le plus haut possible, là, je sais pas quel truc. Ouais. J'ai eu la cabeur du Lapoule en professionnel, je crois que c'est ça. Professionnel, je sais pas. Ou spécialiste. Bah, le plus haut possible, j'ai eu la cabeur du Lapoule. C'était assez rageant, parce que je vois pas qui va faire la cabeur du Lapoule en professionnel, en killstreak. C'est vrai que c'est plus profitable d'avoir un minigun qu'une arme de mêlée. C'est ça où... J'aimerais bien avoir, je pense que je vais l'acheter quand même, le lance-roquette de base, quoi. Il est pas très cher sur le marché, je crois qu'il vaut 2 ou 3 euros, un truc comme ça. Quoi, il est pas très cher. Ouais, tu feras gaffe, il y a un spy là qui arrive. Ouais, il est sur toi, hein, si t'es Owensman. Non, je suis pas Owensman, ouais, c'est de toute façon. J'avais le Razorback, donc je suis peinard. C'est pas moi qui l'ai tué, ça me fait un petit peu la rage. Oh ah non, 3 kills, 2 kills, mince. Non, j'avais des random sticky dans leur petite maison là, et j'ai fait 2 kills. D'accord, ça va. Tranquille. Alors, j'ai quelques likes, j'espère que ça va s'arranger. Pour une fois que c'est toi. Ouais, exactement. Toi, c'est des coupures internet que t'as, donc c'est... non, c'était un gros lag, puisque j'avais pas internet. Ouais, parce que, allez, on va vous dire quand même. On a déjà essayé d'enregistrer cette vidéo... Trois reprises même. Ouais, première reprise ça a planté parce que je suis passé à 500 ping et du coup Spike a planté, je me suis fait kick du serveur. À 500 ping le serveur voulait pas me garder. Ouais. Donc du coup voilà, première fois qu'on a commencé. Médic, c'est bon. Et puis la deuxième fois bah, c'est tout simplement mon logiciel qui a refusé d'enregistrer. Tiens d'ailleurs j'ai encore mon logo ici. Il n'y a plus rien sur le point. Ah si, Sentry, mince, Sentry à droite avant de passer le pont en fait. Ok, j'ai 36 points de vie donc je sais pas si tu es quelque part. Non, je suis plus médic moi, de toute façon. Ok, d'accord. On peut vraiment pas compter sur toi, quoi. J'ai dit, je passais des mots, c'est moi qui ai capturé le premier point, tout seul. Ok. Sticking jump, pain train, ça va super vite. J'arrive pas à voir l'autre. Ah! Putain de poutre qui me barre le passage. Ah, mais on est déjà au troisième round. Ah oui, ça va super vite. C'est vrai que après ça s'enchaîne en fonction des on n'a pas d'NG, si on a un NG, on n'a pas de téléporteur. Après ça s'enchaîne en fonction des teams, si elles sont douées, si elles sont pas douées. Oui. Bah là ils ont trois ingénieurs donc ça. Oh mais on a une team pas douée parce qu'il y en a qui est au Rocket Jumper qui essaye de tuer les gens avec. Le propulsauteur, je sais pas comment ça s'appelle. Propulsateur, ouais, ou Rocket Jumper ou Sticky Jumper, hein. Moi je préfère appeler ça en anglais, on sait jamais. Ouais. Oh putain, ouais, le soldier en face de moi c'est pas bon, c'est pas mon truc ça. Il y a des snipers en face si tu peux te les faire, je sais pas. Bah, je vais essayer mais c'est pas facile ça, ou ils en ont toi, deux. Toi, ouais. Les points rouges, tu vois les points rouges sur le mur? Ouais. Mais voilà. On dirait mes spades sur la gueule quand j'avais 18 ans. Où est-ce qu'ils sont ces enfoirés? Oh, tu te prends des roquettes dans la tête. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Ah, il y a un spy avec nous là. J'étais bugué, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ok. J'arrivais pas à tourner à gauche. Merde. Ah putain, oula, des clics partout. Ouais, à mon avis, celui-là, on va pas réussir à l'avoir. Hein. J'adore comme on les dit qu'ils s'acharnent sur moi, quoi. Ils vont finir par me claquer une hyper à force. Hop. Le Space Soldier qui est dans la petite maison en face, là, dans l'escalier. Ouais. Je crois que j'ai vu, mais... Non, il est parti, parce que j'ai tué un Heavy au Pen Train.
C'est joli ça. Pas mal. Attends, je te... Ah merde, je t'avais vu, mais malheureusement. Il n'y a plus de sentry à droite. Et les gars, ils savent pas qu'on peut passer à droite. Je vais sur le point. Ok, il n'y a personne sur le point. Pff, ça va pour toi? Non, non, c'est bon, j'y suis. Ouais, tu y étais. Bon, je vais y repasser, dis-moi. Ah, on a un TP. On a deux ingés qui construisent. Ils construisent où, c'est con? Je sais pas du tout. Je sais pas où ils sont. On a un TP niveau 1 pour deux ingénieurs. J'ai deux médics sur moi. Et t'es sniper? Non, pas du tout. Ah, ils sont dans une petite maison. Mais y'a rien sur le point, là, les gars, oh. Je suis repassé Evie, moi. Tiens, on y va dans le tas, on fonce dans le tas. Ouais, non, mais y'a même pas besoin de... Y'a pas de tas. Ah. Et voilà, c'est claqué. C'est les snipers qui finissent au corps à corps. Va sur le point, va sur le point. Je sais pas si tu veux, mais y'a rien sur leur point. Ouais, t'as raison. Y'a que les snipers pour défendre, ils défendent au corps à corps. Oh putain, je vais y passer moi, je vais finir par... Non, c'est bon. Tu vois, c'est... Tranquille. Y'a pas de défense. Bon, bah ça c'est claqué. Et reviens ici. Ah mince, y'a la pub à droite, vous disiez, j'arrive plus à changer d'arme. T'as encore une pub? Non, non, c'était un... Une boîte de texte sur la gauche de l'écran, là, je sais pas si t'avais... Non. Qui disait, je sais pas quoi. Fallait appuyer sur 0 pour la fermer, et en attendant, on pouvait pas changer d'arme. Ah ouais, là, c'était pour les scores ou quelque chose, non? Ouais, un truc du genre, quoi. Ok, d'accord. On a, ouais. On a 3 ingés. Moi, je vais prendre Spy, tiens. Je vais voir si je peux faire quelque chose de bon. 3 ingés, pas de TP. Hein. Je sens que ça va bien se passer. Allez, hop. Où est-ce que je vais me foutre, moi? 3 ingés, chacun construit sa mitrailleuse. Au moins, ils ont le réflexe de construire la mitrailleuse. Qu'est-ce qu'il faut, cette ingé? Une sentry derrière la cabane, c'est pas mal ça. Ouais, ouais, mais bon, niveau 1, ça vaut pas le coup quoi. Autant mettre une mini sentry. Ok, alors ouais, on va. Une Uber en bas dans le fossé. Ok, je vois ça, je supervise. Je vais faire le médic par au-dessus. Ah, bah le médic a abandonné le lit. Ah, c'est moi qui l'ai. Joli. Je l'ai fouetté. Bien joué. Je crois que t'as trouvé un bon serveur. Ah bon, tu trouves? C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Non, le niveau est un peu bas, mais bon, ça va nous permettre de nous montrer notre skill. Ouais, ou alors notre semblant de skill. Alors, comment ça va se passer? T'as eu ma buste, enfoiré. Ah bon? Parce qu'ils ont pas l'air super réactifs. Hein. Le 8 qu'on a tué dans le fossé, il avait pas l'air... Non, mais il y a un spy qui m'a... Il y a un sniper qui m'a repéré. Il y a quelque chose sur le point. J'aime pas rester là, comme ça, rien faire. Non, 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 normalement, prendre... on a une sentry niveau 3 sur le point. Ouais, ça va, alors. Il y a un sniper ici, sur la droite, là, sur le côté gauche, là. C'est toi? Non. Ah, merde, il a le Razorback. Ah, il s'excite, ça y est. Oh non, j'ai fait le con. J'ai voulu tuer un spy et... En plus, c'était un spy débutant, on va dire. Parce qu'il était à moitié invisible, à moitié visible. Sa jauge d'invisibilité est arrivée au max et... et du coup, il devenait visible, invisible, visible, invisible. Ok. Le pauvre sniper, il s'est pas rendu compte, il n'aurait pas arrêté de me chasser et... Du coup, bah, il s'est pas rendu compte que je l'avais attiré dans les lignes ennemies, ça fait pulvériser. C'est ça, le sniper ne sait pas que quand il a plus de jauge d'invisibilité, il devient visible. Mmh, exactement. Ah, désolé, il y a le secrétariat qui appelle. Oui, c'est ça. J'en ai pour 2 secondes, d'accord. Hein. Pas de soucis. Oh là là, sacré Hollande. Bon, alors où est-ce qu'on en est là? On en bave ou... Ouais, ouais, ils ont failli, mais leurs spies sont nuls alors... Ça va. Ils ont pas réussi à s'appeler la sentry. Ils ont pas de démo, donc du coup... Ça se passe quoi? J'en suis en 4 dominations là. Ouais, mais. Ça va pour toi quoi? Merde. Ouais, impeccable. Ouais, on va se mettre dans le coin tranquillou. Ah, mais non, on a 2 sentries sur le point. Merde. On donne une Nevercrit sans me dire. Ok, j'ai eu le heavy. Par contre, j'ai des gros lags, je sais pas comment ça se fait.
Moi ça va, donc je sais pas si sa vidéo ça se voit. J'en sais absolument rien, on verra bien. T'es toujours en spy? Toujours, comme tu peux le voir. Ah mais non, parce que j'ai le buff banner, donc c'était pour t'en faire profiter également. Ouais, ben je sais pas si le buff banner ennemi il marche sur les... Ah, si on te voit quand je fais mon buff banner? Ouais. Je crois que si, hein, parce que j'ai vu sur les il y a un spy pyro là-bas. Ah mais on testera si tu veux la prochaine fois. Ouais mais en MVM ça marche sur les robots, donc je pense que ouais. De quoi ça marche sur les robots? L'effet du buff banner il apparaît sur les robots du MVM. Quand, les sur robots les spy? Ouais les robots spy, ouais. Ah. 19 secondes. Le spy trop obvious quoi. Ils sont super prévisibles les spies adverses. Ouais, ou alors ils font... Oh là, je vais mourir. Mais non, t'inquiète pas, on a presque gagné. Non, mais j'avais un buff banner, j'étais en train d'utiliser le buff banner, je voulais pas mourir pour ça, quoi. Et voilà, terminé, ça c'est claqué. Hop là. Et bah, je suis à 4, regarde le top. Toi t'as une domination, le deuxième il en a 2, 3, 4, 2. Oh, ça en fait, va, c'est ouais. Des dominations aussi, également. Il y a que des dominations, ouais. Bon, le spy ça s'est fait, on va chaîner sur quoi? 5NJ, c'est un peu trop, non? Ah, t'es, il y a un truc sur ce serveur. C'est moi qui ai le plus haut killstreak, 13. Comment ça? Regarde dans le chat, remonte quelques lignes, et ouais. Ça compte les killstreaks, même si t'as pas le truc killstreak. Ah ouais, Tomiza, terminé le round avec 13 kills, ouais, pas mal. Pas mal du tout, ouais. Attends, par contre, pour qu'on sait que j'arrive pas... Ah, voilà, c'est bon. Va falloir continuer comme ça, hein. Ah oui, 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 bon. Alors. S'il n'y a pas de mélange d'équipe. La vache, t'as un sprint qui me fait peur là. Ah ouais? Ouais. Ici. Il est coupé en plusieurs. Attends, je suis parti à droite, mais à chaque fois je sors par la droite. Ouais, bah en fait c'est juste à côté du spawn de gauche parce que t'as en fait un. Le pyro démasqué, c'est une tête qui fait vraiment flipper quoi. Ah mais c'est le pyro? Ouais, ouais, c'est un mix entre le Heavy et le Soldier, a priori, non? Ouais, je crois que c'est ça. Enfin... Là, si ce sniper voulait bien dégager, parce que j'ai pas envie de me prendre une roquette en plein milieu de la tronche, merci. Il y a une légende qui voudrait que le pyro soit une femme. Ouais, va savoir, hein. Je sais pas trop comment ça se passe. J'ai vu une théorie sur Internet, où le gars étudiait, en fait, l'anatomie du pyro. Ah, la longueur des doigts, tout ça. La longueur, ouais, mais dans Team Fortress, c'est cartoon, quoi. Tu peux pas te baser sur ça. Hein. Quand tu vois la tête du Heavy, il a pas un corps normal, quoi. Ça serait une femme, d'après l'anatomie du pyro. Les épaules, la taille, et tout ça, mais pas plus, quoi. Après, il faudra encore confirmer. Tiens, on n'a pas d'NG. C'est reparti, je vais prendre ma classe fétiche. Mais je crois que Val va troller encore longtemps avec ça. Non mais cherche pas, on n'aura pas la réponse, hein, on l'aura jamais. Hein. Tu sais qu'ils font dire au sniper une phrase avec L pour le pyro, un truc comme ça? C'est pas l'ingénieur qui dit sorry ma'am, un truc comme ça? Ah, ou peut-être, ouais, je sais pas, il y a une des classes qui dit... ouais, je pense que... Qui parle de L en parlant du pyro. Ou alors le scout dans le trailer de Meet the Pyro qui dit c'était avant Meet the Pyro. Non, je crois que c'est le sniper, il me semble comme ça. Ou je sais pas, de toute façon le suspense restera encore et encore. Ah oui. Allez, j'espère que l'ingénieur est pas trop bête. Ah mais c'est toi. C'est moi ou tu m'as insulté là? Non, j'ai dit que j'espère que t'étais pas trop bête. J'aime bien les nouvelles vestes comme celle que t'as là. Celle du pyro qui fait doudoune là, elle est super. Ouais, j'aime bien, mais tu sais ce qui manquerait pour le spy? Un item façon robe de chambre, tu vois, avec le spy brodé sur la poche, oui, un truc du genre. Un truc classe quoi, c'est ça? Voilà, genre il vit dans une villa le gars quoi. Ouais. Ah, ça serait super ça. Parce qu'on on a eu des capes, on a eu des vestes rembourrées, mais on n'a jamais eu de robe de chambre, je sais pas si tu vois. Ouais, mais ça changerait le modèle pour le spy quoi. Après tout, ils ont bien fait la même chose pour le... Comment dire,
Pour l'engineer avec le wrangler, ou alors pour retirer les pieds du démoman pour lui mettre la jambe de bois, ou... Non, mais ça... Ah oui, pour lui mettre la jambe de bois. D'ailleurs, ouais, je me suis posé la question pour la jambe de bois. Je trouvais ça bizarre comme ils avaient fait, mais... Et de toute façon, ils ont aussi modifié les modèles pour les costumes de zombies pour Halloween, donc je pense que c'est tout à fait faisable pour une robe de chambre. Non, non, ils les ont améliorés. Avant, il n'y avait pas de squelette au modèle, maintenant il y a des squelettes sur les modèles. Ils les ont améliorés. Après, t'as juste à faire des trous pour que le squelette se voie, mais ils les ont juste améliorés. D'accord. Donc, capture le point, là. Il n'y a rien sur le point. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, bah, vas-y. Moi, ouais. je prépare mon matos, moi, tant pis. Merde, je suis mort, moi. J'étais déjà sur à la moitié du chemin. Je me suis rendu compte qu'ils capturaient pas. Prochaine update, je sais pas si t'es au courant, on va avoir les âmes... peinture, lurable, je sais pas comment on dit, colorée. A priori, oui, quoi, hein. On doit pouvoir peindre ses armes, hein, prochain update. Ah, ce serait pas mal du tout, ça. Oh, merde, merde. Pff, merci. Par contre, je vais pas tarder à crever, moi. Je sais pas où t'es, tu veux que je te défende? Bah, je suis dans la galerie de droite, là, j'installe mon matos. Ah, ok. Ah, tu construis là? Ah ouais, c'est un super endroit. Après, ça se joue à la sentry, quoi. Faut pas installer trop loin pour que ce soit vulnérable, et pas trop près non plus pour que ça se fasse dégommer, c'est ça qui est... Moi, je la mets pile à la limite de la range, en fait. Moi aussi, ouais. En bas de la pente, par là. Le seul problème avec ce point-là, c'est que c'est super engageant. T'as toute l'équipe qui va sur le drop de la map, donc du coup, les adversaires, s'ils sont pas bêtes, ils poussent. Ils poussent également par la droite, et... ils peuvent aller jusqu'au spawn, comme ça, et te péter ton téléporteur facilement. Mais après, c'est un super point, tu peux le défendre super facilement, quoi. Bah, de toute façon, une map où il y aurait aucune faille, je trouve que ce serait pas une map, quoi. Ce serait simplement... Non, mais... C'est pour ça que moi je le laisse dans la maison juste avant. Ouais. Parce que c'est les joueurs ont le choix de pousser par où ils veulent, en fait. Mais bon, c'est les deux se valent. Là, on est vraiment juste à côté du truc. Ouais, donc c'est rentable, quoi. Il y a une grosse faille dans la... Ouais, on est à deux pas du... Une grosse faille dans le système, mais sinon c'est jouable, quoi. Oui, bien. Ah, ils ont une sentry, bah, le point habituel, à droite. Mmh. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets... Ils ont plus de sentry, hein, donc... Attends, bah, j'arrive. Avance la tienne, quoi. Si j'avance la mienne, je pense que... Si, si, avance la tienne, et tu la poses, et puis voilà. Hein. Je te protège, si tu veux. Tiens, je monte sur le point. Ah, mince. Voilà, ça, c'est fait. C'est claqué. Et quand même, ils ont enlevé la pin-up sur la veste du Dogfighter, je trouve ça un peu dommage. Moi qui l'ai vite. Bah en fait, si tu veux, la veste que je porte là, le Dogfighter... Ah, il y avait une pin-up derrière, ça. Oui, il y avait une pin-up sur le dos dans le workshop, en fait, bah, ah, ils l'ont retiré parce que je pense que... Tiens, mon modèle déconne un petit peu, il passe en du high-five au... Ouais, mais j'ai la même chose, moi. Ouais, ok, pourquoi je peux pas? Ok. Bon, on construit là. Tu veux que je t'aide à construire? Ouais. Tu changes de classe On va changer de classe, qu'est-ce qu'on va prendre? Un truc... Scout, tiens, allez hop. J'ai envie de me sentir ridicule. Ah ouais, je vais prendre Scout aussi. Si... Je me suis dit je vais prendre des mots, mais non, en fait. Si on prend des mots, ça va aller trop vite. Quoi? Aussi. Alors, qu'est-ce que t'as comme arme, toi, par contre? J'ai le Babyface Blaster... Non, l'exploseur de tête d'ange. Non, je sais même pas. Attends, je vais regarder. Si l'exploseur de tête d'ange, le cri tacola et l'assassin emballé. Ok, moi j'ai le truc de base sauf la poêle, quoi. Ouais, c'est de base, quoi. Y'a du monde dans la maison. Oh putain, ouais, j'ai pris cher là, j'ai perdu. Et un mini sentry à droite. Oh le mini sentry, oh putain. Mini sentry en sortant à droite. Putain, j'ai bien oublié. Ah, mais on a un médic là. Oh mini, ouais, j'ai pas vu. Juste à droite là. Ok, attends. On a trois spies. Attends, bah, sniper, allez hop. Ah, oh, elle est pas morte. Tiens, je vais prendre sniper. Non, je vais prendre le... Je vais prendre le bonk, moi. Comme ça, je vais passer derrière eux et je vais me les faire. Ouais, bonne idée, ouais. Allez, hop, headshot. Oh, mini sentry. Ah, mais elle shoot super loin. De l'autre bout de la map, on peut pas, quoi. De l'autre bout de la zone, on peut pas la shooter, en fait. Elle nous shoot... Quoi est-ce que j'ai tiré, moi? Ok, ouf. Deux headshots. Il y a un spike qui va rentrer dans le spawn. Ça va bien.
Ah mais c'est toi là. Ah non c'est pas toi. Ah il y a un spy en toi. Ah bah je vais sur le point parce qu'il y a une sentry qui m'a empêché de passer. Spy moi ou ça dans le spawn ou Non non dehors. Ok d'accord. Ça c'est fait. On a pas d'NG. Sentry sur la colline quoi, dans la colline. Dans la pique dans la petite corniche là-bas, tu sais. Ouais je vois aussi, ouais. Oh, sur le truc habituel là où ils sortent du spawn, ok. Le point super safe. Okay. Je repasse NG moi, tiens, j'ai commencé à construire mon bazar. Je pense que ça sert à rien, je vais prendre le bon et je vais aller sur le point, quoi, comme tu veux. De toute façon, ils sont déjà en train de protéger, donc bon coup. Pas forcément, parce qu'il y a la sentry qui nous bloque là, donc. Le truc, c'est qu'il faudrait que j'arrive à passer en fait. Hein. Je sais pas si je vais réussir à passer. Aussi, ah, mais la sentry est morte. Ok, d'accord. On va construire mon TP, j'arrive. Vas-y, vas-y. Mini sentry. Y a rien sur le point. Si je m'approche un peu pour taper plus. Ah, mais. Je tape dans le vide. Ah merde. Heureusement qu'ils me bloquaient avec leur corps, ils étaient 5 ou 6. Ouais, le scout sert plus à rien. Tu pourras plus là. Pff, on a 4 spies. Attends, il y a encore un NG en haut là. Ouais, ouais, ouais. Bah attends, je vais le déloger, il doit avoir un TP là-bas. Je crois qu'il est en train de construire quelque chose. Non. Je sais pas s'il construit. Tu connais la technique pour avoir un TP safe là-bas? Tu poses ton entrée juste sur le rideau. Ouais. Du spawn et ta sortie à l'intérieur. Comme ça, le spy peut pas prendre ton TP vu qu'il est dans le spawn carrément. Mmh. Et toi, ton équipe peut le prendre même quand le rideau est fermé et que ça a changé de point de spawn. Ouais, mais il peut le saper quand même, non? Non, 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 parce que c'est dans le spawn. D'accord. Je sais pas si tu vois. Si si on défend jusqu'à ce point-là, si on arrive, si on défend pas trop fort et qu'on arrive à cette map, je te montrerai. Ok. Oh, tant pis. En attendant de pouvoir construire plus loin. Ouais, oula. Il y a un spy. Mais t'es là, toi? Ouais, je suis là. T'es quoi? T'es démo? Je suis NG, moi. T'es NG, mais je te vois pas, non. T'es pas avec moi. Maintenant, ça va pas tarder, t'inquiète. Alors, si c'est bon, okay. Pousse-toi que je construise. C'est bon, mini sentry là. Voilà, ça va là. Là, il y a le secours rapide. Ah, ça serait mieux qu'il vienne avec moi le médic en secours rapide. On est en train de péter les mitrailleuses là. Ah, il vient pas avec moi. Il a pas compris ce que je voulais faire. Alors... Ah, tiens, je vais pouvoir avancer. Tiens, j'ai avancé mon matos. Mais je t'ai pas vu du tout. Non, j'arrive. Ça se trouve, t'es en rouge et moi je suis en bleu. Non, non, je suis en bleu. Bon, ça me rassure que tu te poses la question. Ça veut dire qu'on est bel et bien dans la même équipe. C'est ça. Moi je suis sur la corniche avec eux là. Ok. J'ai utilisé... Ben moi je déplace mon matériel là donc. Buff banner. Oh le médic au secours rapide m'a sauvé. Oh spy, il y a un spy. C'est pas grave. Ah mince, si c'est grave. Ah, de toute façon on va caper. Ouais. Ouais. Toi le truc a apparu à droite là, je sais pas si t'as vu. Le truc est apparu à droite. Sake of Dust Bowl, Blue Triumph, Over Red. Oui, je vois, Pas tout ça. Ah mais voilà, ça t'empêche de changer jusqu'à temps que t'appuies à zéro ou que ça disparaisse. Ok d'accord. Par contre moi ce qui m'intrigue c'est ce truc là derrière là. Je sais pas ce que c'est cet update là qui est à venir là. Ah mais c'est ça. C'est l'update End of the Line. T'as pas regardé ma vidéo? Je vais en faire une autre d'ailleurs sur ça. Si j'ai regardé mais je sais pas ce que ça veut dire ne pas ouvrir avant. Bon, allez, exclusivité pour toi. Il y a trois hypothèses qui se battent. Il y a futur. Ne pas ouvrir avant le futur, ça serait une référence à la mise à jour Boogaloo, où il y avait un ingénieur qui venait du futur pour donner les robots clés, les robots caisses. Ouais, effectivement, ça veut dire, je parle de toi, se le dire en bas, ouais, effectivement, ouais. Parce que voilà, c'est ça, c'est cette phrase. Alors sinon, il y aurait restart. Ne pas ouvrir avant le restart parce que tout est mis à jour. Ça laisserait penser que Valve va repartir sur un cycle. Oui. Et moi j'y vois Easter avec un point d'exclamation et Easter c'est Pâques en anglais. Donc ne pas ouvrir avant le Pâques et la mise à jour sortira à Pâques. Je pense qu'à mon avis c'est plus futur mais avec un F mal dessiné, je sais pas. Et qui est le con qui a craché sur le dernier mot quoi. C'est ça, non mais toi le futur, le après le T. C'est un E, c'est pas un U, quoi, c'est bizarre. Non, j'ai l'impression que c'est un point d'exclamation, ça.
J'ai l'impression que ça prend une exclamation avec un point ouais, ici. Ouais, mais là. Futur en anglais, ça prend un E. C'est ça, le truc. Ouais. C'est pas faux, ouais. Donc, c'est vrai. Et puis, Classified, j'ai essayé de regarder, de décrypter ça, mais... Alors... Ah, mais ça a été décrypté, mais je vais le garder pour ma vidéo, si tu m'en veux pas. Ouais, y a pas de mal. De toute façon, je sais que c'est pas... Que c'est pas des lettres d'alphabet, parce que ça va strictement rien dire, surtout les deux points à la fin qui m'intriguent un peu, ou alors pour déstabiliser. Bah, tu verras, il y a deux hypothèses sur ce mot, les deux se valent. Mmh. Et les deux promettent du lourd, quoi. D'accord. J'essaie aussi de regarder la Bible, tu sais, 11, verset 2, ou je sais pas, causer deux points, mais. Oh, t'es un malade. Non, exactement. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est juste que t'as pas compris la référence qu'il y avait, mais c'est beaucoup. Quoi, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, j'ai trouvé ça sur internet. Ok. Il y a plein de choses dans ce panneau. D'accord, ouais. Ah, je peux te donner un truc, c'est totalement what the fuck. Si tu prends les mises à jour dans l'ordre où elles sont apparues, ouais. C'est-à-dire le Medic, le Pyro, le Heavy, le Scout, Sniper, Espy, Soldier et Demo et NG, ouais. Ça forme une sorte de 3. D'accord. Et du coup, tout le monde, quoi, tout le monde, sur Internet, ça s'est enflammé. Mmh. Parce que il manque Half-Life 3, Portal 3, Left 4 Dead 3, Team Fortress 3. Tout le monde a dit ouais, ça annonce un futur jeu de Valve. Wow, je crois que j'ai vu un gros bug. Ok, d'accord. Bah, c'est intéressant, je regarderai ça. J'ai vu un gros bug graphique, alors je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu l'impression qu'il y avait un élément du décor, genre des escaliers qui. Merde, des escaliers carrément qui étaient déplacés. Mais genre dans les airs, je sais pas si tu vois. Non mais c'était sur le point d'avant, malheureusement là oui, on pourra oui, pas oui, le voir. Oui, hein. Si, si. Des fois il y a des bugs comme ça à la fin de map où des éléments de décor se déplacent, j'en ai également. Oui, ouais, l'escalier, oui, ça arrive souvent. Ouais, ouais, donc je sais pas si c'est parce que je filme ou quoi, mais... Ouh, t'as un joli... Ah non, c'est ton... C'est ton score? Sérieux, t'as eu ton score? Putain, je crois qu'il serait peut-être temps que j'arrête de jouer là. Oh la vache! Mais t'es arrivé en même temps que moi ou t'es arrivé avant? Une petite heure avant, quoi. T'as 333 points, quoi. Ah, t'étais là avant, tu m'as fait peur. Non, mais 333 points, mais c'est pas possible, c'est à cause des assists, c'est les téléportations, c'est quoi? La vache. Je me fais un petit peu peur, là, sur le coup. Un scout qui va au spawn? Bon, c'est pas grave. Non, je vais sur le A, là. Ouais, ouais. Ça arrive par la droite, hein. Ils sont 5 ou 6. Ouais, ouais. T'as une bière qui arrive sur toi. Ouais, je l'ai vu, ouais. Ah, mais t'as une sentry avec toi? Ouais. Oh, la sentry a survécu, ok. Fais gaffe derrière toi, il y a un démon qui monte. Ah, mais c'est un démon knight. Ok. Où le démon knight? Dans la maison là. Ok, okay, il est bloqué. Je le vois toujours avec son épée, il jette des grenades. Ok, c'est bon. Il y a un spy sur moi là. Où ça? Je sais pas. C'est quoi? J'ai touché quelque chose donc. Quelle classe tu es? Je suis soldier avec les bonnes bannières. Ah, je vais mourir. Ils sont tous sur moi. Ouais, mais j'étais avec toi en bas là. Ok, mais ils se précipitent tous sur le point donc. Enfin, ils ignorent le point carrément. Oui, c'est ce que j'ai vu. Ils étaient 5 ou même plus, ils étaient 7 ou 8 à passer devant toi. Ouais, bon, bah tant pis, hein. On va attendre qu'ils arrivent. Ah, mais moi, la sentry est buggée, je vais faire un petit. Petite commande dans la console des développeurs pour réparer ça. Alors, je sais pas s'ils ont voulu faire un passage en force, mais je crois que ça a bien foiré leur truc, parce que là, il n'y a plus personne. C'est bon, on perdra pas, on a une sentry sur le dernier point. Ok, mais de toute façon... Voilà. Ah, et merde. On n'a pas de TP. Et on a une sentry... Oh. Et le heavy qui se fout du point. Voilà, il y a des critiques un peu partout. Ok. Les gars, faut regarder où vous marchez. Oh, ouais. Non, mini sentry, tu la vois ou quoi? Pas du tout, moi je suis carrément sur le... Wow. Je suis carrément sur le A, moi, je suis en train d'aider les... Il y a une mini-sentry à côté de la maison, alors, à côté du pack de soins. Ok, d'accord. Merci de l'info. Mais il se fiche de toi, hein, regarde. Regarde en bas, regarde en bas. Quoi? Bah rien, il y a le démo qui essaye. Il y a un démo qui monte à l'escalier. Ok. Merde, ils sont en train de se moquer de nous, là? C'est foutu, là. Ah ouais, c'est bizarre. La sentry mal passée, alors, pour si elle arrivait pas avant le point. Maintenant qu'on a un TP... Non, reste sur un. Bon, pas grave, de toute façon, le point est perdu, donc je vois pas l'intérêt de rester ici. Bah si, passer à l'autre carte.
Ah merde, il y a un point de contrôle. Oh, il y a personne ou quoi? Il y avait une sentry. Oh, il est mauvais. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, j'ai eu le plus gros score de kill streak. En même temps, quand on est des deux sentries, je veux dire, ça c'est facile. Ah ouais. Ah putain, je vais passer ingénieur. Ah, oh, il y en a trois déjà. Bon, je te montre juste, t'es où? Dans le deuxième spawn là, je suis. Le deuxième spawn. Le spawn de droite, hein, si tu veux. Droite, j'arrive. Ouais. Ah mais il va le faire l'ingé là. S'il est pas bête. Ouais, comme ouais, ça, voilà. Ouais. Tu le poses comme ça, et même quand c'est fermé, vas-y, recule-toi. Ouais, je connaissais le système un peu. Et donc du coup, même quand ça sera fermé complètement, on pourra passer par là. Et le spy, il a pas accès ici, donc il peut pas venir saper le truc. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je connaissais le système un peu, mais je voyais pas trop ce que tu voulais dire sur le coup, c'est pour ça. Ouais. Mais comme ça, tes abonnés l'ont vu aussi. Exactement, mais je pense que tout le monde connaît à peu près le même... Eh non, pas forcément. Et du coup, faut aller checker forcément quand t'es soldier ou démo, faut que t'ailles voir là-haut si le TP est encore là. Parce que s'ils reconstruisent une sentry ici, après, tu repasses le même point, quoi. D'accord. Oh merde, ok, merde, ok. T'es pris l'Uber dans la tête? Ouais. Je me suis dit, j'ai tous les flingués, j'ai vu le mec tourner au bleu, je me suis dit, c'est pas ma journée. Ok. Où est-ce que tu es, toi? C'est moi, on se fait ramasser la gueule. Tu mets une petite maison. Random crit, j'ai tué le médic et le démo avec. Non, je vais finir par zapper sur toi. Ouais, je te vois avec ton magnifique drapeau, là. J'ai pas vu ton chapeau, c'était quoi? C'est rien, c'est celui que tu débloques quand tu finis la livraison spéciale, c'est Doomsday là. Ah ouais, avec la roquette à travers la tête. Là. Ouais ouais, c'est ça. Ouais. Wow, il passait où lui? C'est moi qui l'ai bump. On a plus sentry? Elle est passée où notre sentry? Merde 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 merde, allez. C'est bon, tu vas la prendre ta vie. Y'a que moi à défendre, vous êtes où les gars? On est là, on arrive. Il est où notre ingé? Non mais l'ingé est où? Toi, on est que 4 là. On est 2 ingés. Oh attention, y'a Ivy qui arrive. Oh mince, je l'ai bumpé sur le point. Ok, je l'ai eu, c'est bon. Hein? Mais y'a un spy sur toi, hein. Si t'as un son de lui, je veux bien. Ah non, il est en bas, c'est bon, il est mort. Ah ouais. T'es mort? Ouais, j'ai un sniper qui m'a eu. On avait 3 AG quand j'ai commencé le round que je t'ai montré pour prendre le TP. Et puis maintenant, bah, on en a perdu un, il y en a un qui a démissionné. Eh, mais ils sont où les deux autres? Sur le dernier point, je parie. Alors attends, il y en a un qui est ici dans la galerie, là. Et l'autre, où est-ce qu'il est? Dans la galerie souterraine? Non, non, pas dans la, enfin, dans la galerie, enfin... au sport. Ah, ouais, il est en train de... Une sentry. D'accord, ouais. Alors une sentry au B, une sentry au A, c'est bon. Ah non, Uber sur le point. Heavy Medic, bon, je vais pas me protéger à eux. Ah si, quoique... Oh, mini sentry. T'es sérieux? J'ai voulu rentrer, il a fallu que je marche sur le TP pour... Putain, du coup je suis coincé avec tout le monde là. Pourquoi je suis pas sûr que t'as vu ça? Ah ok. Hop. Repli, repli. Mais non, y'a personne en face. Ok, ça devrait le faire. Est-ce qu'on a encore le TP là-bas ou pas? Oui, oui, on a encore le TP. On en a encore, oui. Attends, j'arrive. Mais... Faut que l'autre il avance sa sentry quoi. Ou alors qu'il utilise le wrangler. Bah, il défonce son TP avec la sentry quoi. Il défonce le TP à la sentry? Non, il défend son TP. Mm-hmm. Sa sentry n'est là que pour défendre son TP. D'accord. Moi je la mettrais la position stratégique quoi. Mais non, lui non. Tu vois, normalement t'essayes de l'avancer là un peu. Mm-hmm. Alors il y a un soldier qui nous a capté. Alors mini sentry à la sortie là. Ok, bah attends, moi je suis juste derrière toi là. Tiens, vas-y. Avance, sinon sandwich. Tu veux un sandwich? Ah ouais, je veux bien. Viens. Vas-y, on sort. Ouais. Vas-y, tu peux avancer, y'a plus personne. Oh, je veux bien un sandwich. J'avais pas de sandwich, va falloir attendre un petit peu. Si, je vais chercher de la vie en haut et tu auras de nouveau ton sandwich plein là. Le mec il veut déjà un sandwich, mais je suis pas un food truck moi, oh. Viens, c'est bon, put. Voilà, c'est bon. Ouais, je l'ai pris. Ça fait que 100, ça fait que la moitié. Attends, y'en a un autre ici. Y'a ici. Oh merde. Tu as une vie en bas, je sais pas où t'es. Ah, mais t'es sur lui, ouais. J'aime bien. La voix de GLaDOS qui me dit well done là.
Ah, moi j'ai les voix françaises, moi. C'est... Les abonnés ragent un peu d'ailleurs dans les commentaires. Ah bon, t'as la nostalgie des voix françaises ou... Non, je joue en français toujours. D'ailleurs, puisque t'as les voix françaises, rest in peace à Marc Alfos qui doublait le lingé avant de mourir malheureusement. Qui ça? Marc Alfos. Je connais pas, pardon. Il doublait Russell Crowe dans des films. Eh, il est mort? Il est mort il y a quoi, l'année dernière, il me semble, si je dis pas de conneries. Ouais, je sais pas, j'ai pas suivi. C'était un grand doubleur français, ça. Et il doublait lingé? Ouais, l'ingénieur, c'est lui. Ok. On a toujours le TP là-bas si tu veux y aller. Par contre, ce que j'arrive pas à concevoir, c'est que la voix française du sniper, c'est la même voix que le doubleur français de Sangoku, quoi. Ah si, oui, effectivement. Ah, enfin, je regarde un peu. Parce qu'effectivement, on en a pas beaucoup des grands doubleurs qui font tout et n'importe quoi, on va dire. Sans être péjoratif, quoi. Ah ouais. Hop, une flèche dans la tronche. Fais gaffe, Hubert, sur le point. Mais je sais pas où t'es. Bah, je suis mort. Donc, je pense que c'est cuit, hein. Non. Ah, c'est qu'un Heavy. Allez, Heavy. Ah, il y a un soldier aussi. On a un sniper. Au corps à corps. Bien joué, le sniper. Spy sur le point si tu ressors, fais gaffe. Sniper et spy. Allez. Oh, merde, j'ai pas eu le temps. Ouais, Mais le sniper, il aurait dû rester sur le point, il s'est enlevé. C'est bon, j'ai perdu toutes mes dominations et c'est Thor qui m'a buté. Ouh, 21, je suis le premier dans notre équipe. Ça va ? Ouais, par contre, quand je vois que j'ai 349 points, ça me donne envie de mettre une pause sur le jeu, quoi. Donc, je vais jouer... Oh putain, on a 3 snipers, je voulais jouer le sniper. Donc Ah mais t'as un jet d'attaque. Ouais, tiens, pourquoi pas. Cette vidéo, je l'ai pas fait encore. Ok, ben... Bah, un jet d'attaque, toi aussi ? Non, je pense que je vais plutôt prendre un jet régulier, parce que... Pff, t'auras pas le temps de construire. Allez hop, ben... Un jet d'attaque, allez hop aussi, tiens. Viens, on passe à droite, là. Attends, deux secondes. Alors, mon ingé d'attaque, il y a une de ses gueules, je te dis pas. T'es où? Ah, il a un chapeau, c'est festif. Ouais. Ah, il avait pas de def aussi. Ouais, c'est bizarre, je vois pas ton bras. Attends, deux secondes. Ah non. Repasse au fusil. T'as pas de bras, en fait. On t'a amputé. Ah, y a plein de bugs, faudrait que tu tapes la commande pour c'est enlever quoi, les bugs. C'est quoi déjà, c'est bug fixe? Rappelle-moi la commande. Record, fixe, point virgule et stop. Alors record, fixe, point virgule et stop. Dans la commande des développeurs, hein. Record... Alors, j'ai essayé de prendre ta sentry. Fixe... Attends, record fixe, c'est ça? Ouais, point virgule. Alors, et stop. Record... Attends, record fixe... Point virgule et stop. Point virgule, stop. Ah, fais-le plusieurs fois, parce que des fois ça crée des nouveaux bugs en le faisant. Ah super, tu me rassures. Non, des fois t'as la barre de vie qui disparaît, des trucs comme ça. Ah bah c'est le cas justement, j'ai plus de barre de vie, merci. Retape plus quoi. T'as juste, tu fais la flèche du haut et ça te reprend la dernière commande. Donc. Ok. Mais ça t'enlève tous les bugs d'affichage. Super, je vois plus la map maintenant. Retape plus encore une fois alors, mais normalement c'est deux fois, maximum trois quoi. Allez, on va sur le point, y'a rien là. Attends, mais c'est pas vrai, j'ai plus rien là maintenant. Alors, on va voir, comment ça va se passer maintenant, parce que là j'ai plus rien. Ah merde, je suis désolé. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ouais, faut le faire plusieurs fois, bon, tes abonnés auront vu comme ça. Exactement, bon allez hop. Ça c'est fait, je te pardonne pour cette fois. Ils ont deux ingés en face. Pas beaucoup de démos, malheureusement. Ah tiens, Spy, tiens, je vais prendre Spy. Oh putain, je me suis bien viandé sur le point. Tiens, je repasse Spy, moi, tiens. Ils ont au moins deux ingés. Une à droite et une sur la gauche du point. A priori, hein, de ce que j'ai vu. Niveau 1 pour l'instant, de ce que j'entends. Ouais. Ah non, c'est le tien, putain, j'ai eu peur, je me suis dit merde, je me suis suicidé. Pourquoi j'ai mon téléporteur qui continue de se construire. Ah ben non. Bon, je crois que c'est claqué. Voilà, terminé. Je tourne sur le point. J'aurais servi à quelque chose dans ce round. Ouais, mais c'est pour ça, le vrai ingénieur... Ah non, ouais. Non, mais faut qu'on prenne des classes fun, là, sinon ça va pas marcher. Je vais prendre le Demonite, on prend Demonite. Allez hop, Demonite, c'est parti, puis on va s'arrêter ici. Le vrai ou le faux? Le vrai, c'est-à-dire? Avec les chaussures ou avec le lance-grenade?
Bon, allez, hop, tiens, rien que pour le dernier round, on va faire le vrai, tiens. Alors, je vais prendre le contrebandier, moi. Et le mirage. Moi, j'ai le bouclier bélier, donc tant pis. Et la persuasion persane, ouais, allez. Qu'est-ce qu'il vise, lui? Juste pour savoir, en concernant tes Up Fortress, il va falloir que tu regardes combien de temps de vidéo là pour. Parce que je crois Oui, c'est vrai, parce que on l'a dit dans les autres vidéos. Là, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait le Team Fortress, parce que j'ai de Zap Fortress, parce que j'ai eu des problèmes de connexion. Ouais. Mais, merci Orange. Donc du coup, j'ai 3 semaines à rattraper pour faire les Zap Fortress. Alors combien d'heures de vidéo, je sais pas trop. Je sais que le prochain Zap Fortress va être sur cette semaine et il y aura sans doute un Zap Fortress. Pardon, il y avait un spy là. Il y aura sans doute un Zap Fortress bonus qui rattrape les 3 semaines. Qui rattrape les 3 semaines, donc je sais pas combien de vidéos. Mais je les regarde en accéléré. Généralement, je les regarde en x2. Je les télécharge sur mon ordi, parce qu'il me les faut déjà, donc pour pouvoir les monter. Bah, je t'autorise à les télécharger juste pour info. Hein? Je t'autorise à les télécharger pour info, il n'y a pas de souci. Et voilà, je les regarde en x2 après, donc c'est un peu rapide, mais on s'y fait. Ok, d'accord. Je pense que ça va être un peu chaud de jouer là-dessus. Mais non. Ouais. Ouais, il y a une sentry. J'ai achevé, comment ça se fait? Ah, ok, c'est sa sentry qui est buté, d'accord. Ah, il y a 2 sentries, je sais pas si... Non, ça va être possible, je préfère te prévenir tout de suite. Bon, on va prendre le faux Démonite alors, avec le lance-grenade. Bah, je garde le vrai, moi, tiens. Tu gardes le vrai? Ouais, je suis un fou, moi. Et puis, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. C'est ça. Ce qui m'embête un peu pour les Zap Fortress, c'est les gars comme toi qui font des vidéos de 45 minutes. C'est vrai que c'est un peu long pour retrouver le bon moment, quoi. C'est ça. Alors, pour être honnête, généralement, quand j'en ai trouvé un, je m'arrête là. Quoi. À part si la vidéo est vraiment très bien, ça dépend des personnes, mais... J'ai tendance à m'arrêter dès que j'en ai trouvé un, ça dépend des personnes. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Désolé de t'imposer des... De non, 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 c'est normal, hein. T'es pas seul à faire ça, t'inquiète pas. Ah bon, tu me rassures. Il y en a plein qui font des vidéos de 45 minutes. Moi, je trouve ça un peu long, mais bon, après, c'est mes habitudes. J'ai beaucoup de vidéos à regarder aussi, en dehors de Team Fortress. Je suis abonné à beaucoup de chaînes, et du coup, les vidéos de 45 minutes, j'ai rarement le temps de les regarder normal, tranquille. Ouais, parce que tu préfères quoi, des vidéos qui durent 15 minutes, 20 minutes? Ouais, 20 minutes, ça me permet d'en enchaîner plusieurs pendant que je mange. Je pense que je vais faire des trucs comme ça. Ouais. Ok, je comprends un peu le système. Bon, et ben, je propose qu'on termine ce round là-dessus. Et puis, on finit ce round. Et puis après, on va arrêter ici, parce que sinon ça va durer 1h30, il va te falloir du popcorn. Non, pas de soucis, comme tu veux. Toi, ça va être long à uploader aussi, hein, c'est ça le truc. T'inquiète pas pour moi, va, j'ai un ordi de merde. Oui, mais bon, la connexion, ça va ramer toute la nuit. Non, non, mais de toute façon, je le fais pas de nuit. Donc... Attends 2 secondes, faut que je le fasse taire, celui qui est dans le chat là. Ouais, ok, bah tiens, on va faire ça aussi. Alors, voyons voir. Tu connais la commande ou pas? Pour les faire taire? Ouais, dans la commande des développeurs. Dans la commande des développeurs? Pas du tout. Attends, je vais te les mettre dans le chat. Ok, je prends le faux Démonite, hein, je prends... Moi aussi. Attends, mince. Je vais te la mettre dans le chat, la fausse commande pour faire taire tout le monde. Alors, hop, c'est ça là, tu tapes Voice Enable 0 pour l'arrêter et 1 pour le remettre. Mmh. Par contre, faut que tu penses à le remettre parce que c'était valable pour avis quoi. Ah oui, ok, donc que je fasse attention là-dessus. Ouais, ouais, mais t'as pas besoin de faire taire un par un quoi, ça. Pour tous les youtubeurs, c'est sympa quoi. Ok, d'accord, mais moi ce que je fais, c'est que je passe plutôt par les menus et puis bon, bah je choisis tout le monde quoi. Ah ouais, ouais. C'est un peu long, mais... Je crois qu'il y a un spike très suspect derrière toi, fais gaffe. Ouais? Ah oui. Non, il bug, il rame juste. Il y a une sentry dans la petite niche, là-haut. Ah bah non, le Evis l'est fait. Alors, je vais essayer de monter. Il y a un ninja. Ouais. Ah, toi aussi, tu as eu. Et mon knight, je me suis fait avec l'épée.
On peut le voir. Ah, aussi, t'es monté également. Ah non, t'es monté quand même par toi avec le. En chargeant, avec le boost de vitesse. Ouais. Ah, moi je suis monté avec la grenade, j'ai attendu le timing. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a personne en bas donc. On n'a pas de médic? Non, c'est, j'ai pas la persuasion personne en plus. Alors il y a rien sur le point sans doute, à part un sniper qui. À part un sniper, il y a rien sur le point. Alors est-ce que je peux tenter un truc? Ouais, j'ai réussi. Ah, je sais pas où t'es. Derrière toi. Ouais. Oh bah, il y a beaucoup de monde derrière toi. Avec le boost de vitesse, t'arrives à sauter le petit fossé là, quoi. Exactement, oui. Ah, ça y est, ça s'est fait. Ouais, tu peux utiliser le boost de vitesse, ouais. En prenant le boost de vitesse là où j'ai été, en haut de là, ouais. Tu peux atteindre l'autre bord. Fais gaffe parce qu'il y a un paquet de monde à l'intérieur. Ouais. J'en ai buté deux. Pas grave. Ah ouais, du coup, et on aura plus de boost de vitesse. Oh, il y a un heavy. Non, j'ai gâché ma crit. Ma random crit. Les crits, c'est une tous les combien? Ça dépend en fait du nombre de dégâts que tu fais. Ouais. Merci. C'est moi qui fais voler, bien joué. Oh bah j'étais là, de toute façon c'est un travail d'équipe, t'en fais pas pour ça. Ouais, par contre avec ton SPV, c'est le nombre de dégâts que tu fais. D'accord. Au corps à corps, c'est une sur trois. Oui. Et après ça dépend vraiment. Je saurais pas te dire tous les combien c'est. Plus tu fais de dégâts, plus t'as de chance d'avoir une crit. D'accord. Par contre, donc, en gros, meilleur t'as de chance d'avoir de crit. Donc c'est un peu. Ok, d'accord, je vois un peu le système. Après, c'est pas non plus extrêmement plus élevé, mais voilà, ça joue quand même. Alors là, ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'on n'a pas d'NJ. Mais. Oh, ok, alors là, je me suis chié, mais total quoi. On a 20 minutes pour caper. Ça va le faire, non? Je sais pas, y'a rien sur le point. J'ai buté un, hein, mais. Ah, y'a peut-être une sentry. J'entends une sentry, je sais pas où. Doit être. Elle est où? Je l'ai entendu, mais je la vois pas. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Merde, je me suis raté. Alors, Dispenser. J'étais au niveau du balcon dans lequel t'étais monté là tout à l'heure. J'ai chargé un démoman, sauf que je suis tombé sur sa tête, donc j'ai continué. Et après je suis tombé dans le fossé. Je me suis pas arrêté, je voulais m'arrêter sur sa tête et j'ai pas réussi. Ok, ah, cap. C'est depuis que t'es passé ingénieur, hein, grâce à ton support. Quel support? Bah le TP que t'as posé. Quel TP? Je suis démo moi. Ah t'es démo? Ouais. Ah j'avais vu un ingénieur avec ta coiffure. Oh mais c'est pas parce que c'est ma coiffure que c'est forcément moi, hein. Ah, bon. Quand t'avais dit que tu passais ingénieur, j'avais pas fait gaffe. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon je pense qu'il va me falloir deux disques durs. Il y a ça aussi. En tout cas c'était super sympa de jouer avec toi, j'espère qu'on pourra se refaire ça une autre fois. Pas de soucis, je t'inviterai si tu veux bien. Bah écoute, pourquoi pas. Moi, j'en serais très, très honoré d'ailleurs. Hop là. Donc, je pense qu'on va conclure la vidéo de Déo là-dessus. Je sais pas où tu es. T'es ici. Ok. Et ben, je pense qu'on va terminer la vidéo là-dessus. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao. Salut.